لا تانا من كان صحيح ما نمشيش Vous aimez les retours de course, vous m'en demandez. Là, je vais vous faire un retour de course spécial Maroc. Donc, je vous embarque avec moi. J'ai pas beaucoup de batterie, donc j'espère que je vais réussir à vous filmer un maximum. Je vous filme ce que je peux. Si je vois que j'ai plus de batterie pour vous montrer ce que j'ai acheté, je vous filmerai dès que je rentrerai à la maison. Allez, allez, je vous embarque avec moi. Regardez le rayon des gâteaux. Bon, ça a pas de goût, ça. Est-ce qu'il y a des gâteaux qu'on connaît bien, nous? Attendez, on va trouver ça. Tac tac, non, il n'y a pas ça, non. Les petits lus, ça c'est le truc de France. Regardez-moi, tango, ça c'est bon ça. Ça j'aime bien tango. Et il doit y en avoir un autre. Ouais, il est là. Sinon en individuel, il est à 1 dirham 50. Et ils ont même sorti un gâteau Momo. Momo Black, je connais pas du tout. Et sinon il y a Bimo. Attendez, où est-ce que je l'ai vu Bimo? Je l'ai vu Bimo, là c'est Bimo. Ah non, c'est Bimo Tango, ouais, c'est là. Mais je vais pas en prendre, ça me tente pas du tout, du tout, du tout. On va prendre le béda. Il n'y a pas avec les petits paquets là, les pépites. Et je connaissais pas, il y a des pépites au ketchup. Pépites au ketchup. Et ça, c'est des pépites à quoi? Ça, c'est des pépites classiques salées. Ah, je crois que je vais en acheter pour mon fils, juste pour qu'il goûte. Il aime bien en fait le. Le ketchup, je sais pas ce que ça vaut. On va tester. Voilà la fameuse levure que je vous parle toujours là, que je prends. Donc c'est celle-là en individuel. Il n'y a pas le prix, mais je crois que c'est. Je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte pas cher du tout. Je vous redirai le prix. Cette levure-là, franchement, elle est trop top. Je prends vraiment le stock à chaque fois. Et là aussi, mon rayon préféré, je vais vous montrer. Là, ça, c'est le truc qu'il faut acheter absolument. J'en ai encore à la maison, donc je vais pas en prendre. Mais sucre, arôme, fleur d'oranger. Il n'y a pas le prix aussi, mais je crois que c'est 4, ça serait 4 dirhams parce que le sucre vanillé c'est 4 dirhams 40. Il y a la levure chimique, il y a quoi aussi, le cacao que je prends habituellement, c'est celui-là, il est top. Je prends cette marque là, idéal, et c'est avec ça que je fais mes pâtisseries. Il y a aussi cette marque là, je sais pas ce que ça vaut, c'est pas 5 sachets, je vais regarder le prix, ça c'est 4 dirhams 50. Ah ouais, ici idéal c'est 6,95 et 4 dirhams 50, donc je sais pas ce que ça vaut. D'habitude, je prends celle-là, mais je sais pas, je vais tester ça. Je vais tester ça, je vous dirai en France ce que ça donnera, ce que ça vaudra. Sablé au noix, mhamcha arbatia, boule hoche, tartelette fruits secs. Et par contre, je suis à l'art là. 120 dirhams le kilo, 179 dirhams le kilo. Ils abusent, 17 euros le kilo. Tu vas filmer Dena, tu trouves ça moins cher. Regarde les pâtisseries. Par contre, les pâtisseries filmes Maghreb, chhal zinen. Hein? Mais niveau goût, ça n'a pas de goût. Ça, c'est quoi? De l'origan, de la verveine, cannelle entier. Mais tout ça, en fait, moi, j'achète pas ici parce qu'en fait, c'est pas forcément de la qualité. J'achète ça, j'ai un attar, le film Dena, c'est le numéro 8. C'est le numéro 8, fait le. Acte de sorkm Lilia pour Sahaboujda. Yes, ça. شوفوا البركة الحوت جاي بيان جو بارل ان عربي جي اوبليي كاين كي كومبرين با لاراب لا كي مو سويف غاز زيتون سيترون كونفي لي اوليف دو شوا فرانشمون اون ني با ترو بيان ماروك يا تو اون تروف دو تو لا ريسال سي دو لا ريسال عربي Regardez la tarie, elle est là. Là, c'est les épices. Mais là, c'est cher. Franchement, Marjane, ça vaut pas le coup, les filles. Hein. Bah, pour la plupart, vous savez, mais franchement, ça vaut pas le coup du tout. Là, épices à Harira, 39 dirhams 50 le kilo. Bon, après, moi, les épices de Harira, je préfère faire les miennes toutes seules. Il y a quoi, celle-là? Poivre noir. Mais tout ça, je vais aller filmer des nains, Inch'Allah.
Disons que mes enfants ils kiffent quand on vit en Maroc. La charcuterie halal, il y a vraiment du choix. Bon là ils sont pas là donc je vais pas en prendre, mais franchement c'est super bon. Regardez le prix. 57 dirhams, 95. Il y en a 64, donc il y a 3 petits paquets en fait dedans. Araibi, Araibi, celles qui connaissent, alerte. Franchement, comment c'est pas cher du tout. 13,95. Il y en a combien? Il y en a 8, 13,95. Mais je vais pas prendre ceux-là, je préfère Araibi Jamila. Trouver Araibi Jamila, regardez le yop ici au Maroc. 2 dirhams 95 le petit yop, donc ça fait, on va dire, à peu près 28 centimes le petit yop. Mais après, il y a du choix, il y a les marques d'ici. Je sais pas si vous m'entendez, en fait, je suis en train de parler, mais je sais pas si vous m'entendez avec le bruit derrière. Où est-ce qu'il y a Araibi Jamila? Ou Araibi, Araibi, c'est même pas Jamila. Écoutez l'Adan. Je cherche à prendre pour mes enfants. En fait, c'est les grosses boîtes de chewing-gum. Et là, il y en a pas. Je crois qu'en fait, il y en a chez c'est Atakada ou je sais pas comment ça s'appelle. Avant, c'était Metro à Oujda. Et là, j'en trouve pas ici. Je voulais trop leur en prendre. Ils kiffent trop. C'est les grosses boîtes. Franchement, les grosses boîtes, je crois, de 500 grammes ou 1 kilo. Après, les autres bonbons comme ça, ils s'en foutent. Ils en ont plein en France. En termes de cachir, franchement, le choix. Ça me fait bizarre, en fait, le Maroc sans mes enfants. Franchement, ça me fait trop bizarre. En fait, quand ils viennent ici, je leur remplis le chariot. Et là, je suis en train de remplir, mais il n'y a presque rien, en fait. Il n'y a presque rien. J'ai pris que 3 petites bricoles. Ça aussi, ça, c'est des trucs qui kiffent. Ça. Ah, fais ça l'Inès si vous regardez la vidéo de maman. Regardez tout ce que vous ratez. Ça aussi. Vous êtes là, Sahab Hawaï. Hawaï, Poms. Miranda. Miranda, c'est d'Algérie, ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est pas de chez nous. Miranda, Pepsi, Hawaï. La vie, le bled. Voilà, la vie. La vie. On trouve de tout. Voilà, le baraka, le baraka, le baraka, le baraka. Il y a tout. Donc, toutes les canettes que tu veux. Ça, je sais pas ce que c'est quoi, Banga. Ça doit pas être bon. Non, ça doit pas être bon. Bon, Red Bull, vous connaissez. Les jus. Le jus aussi qui est bon ici au Maroc, c'est la marque Marrakech. J'aime beaucoup. Mangue des îles, ça doit être pas mal ça, le mangue des îles. Ananas, non, c'est pas trop mon truc. Pina colada. Je vais les filles, je vais prendre 5 kilos en une semaine, je crois, avant de repartir. Pêche méditerranée. Oh, ça, c'est pas trop mon truc, pêche. Même Arizona, vous en trouvez. Par contre, c'est pas bon du tout. Ça, Arizona, une fois j'en ai acheté, j'ai pas aimé du tout. Ice tea version Maghreb. Hein? Frappuccino. Le Starbucks. Là, on trouve de tout. Il n'y avait pas ce truc avant. Regardez le prix de TSR. Regardez-moi. 66 dirhams, ce qui fait 6,50€. 6,50€ le TSR. Sachez que tous les produits en fait importés de France sont super chers ici au Maroc. Regardez, j'ai trouvé mon péché mignon. Agendas. Le tout petit pot, 26 dirhams. 2,50€. Et si vous voulez le pot, le grand, 8€. Donc ça fait 8,60€ à peu près. 88 dirhams. Ah là là. Je mangerai ça quand je rentrerai en France. Ici, on va profiter des produits du bled là qu'on trouve pas en France. Ce qui est bien quand tu es au Maroc, personne te connaît en fait. Donc tu peux filmer, les gens ils te regardent et tu t'en fous, mais royalement. Là, il y a ma mère, ma tante et mon cousin. L'avocat. 19,95 le kilo, ce qui fait 1,80€. Non, hada le kilo, l'avocat coûte l'homme. 1,80€ le kilo. Zaman qsou fihom. Les oranges là, 7,95€. Les citrons jaunes, 7,95€. C'est simplifié, hein. Vous divisez par 10 pour avoir le prix en euros. Et là, les oranges à feuilles, 4,95€.
le kilo, soit à peu près 45-46 centimes. Ah là là, on a envie de tout manger, je te jure. Bon, ça, c'est des trucs qu'il faut pas acheter ici. Hein. La viande, il n'y a pas mieux que Andel Gzar, chez le boucher directement. Regardez, tu veux un mouton ? Un mouton. Non, c'est même pas un mouton, ça. Ça doit être quoi, ça ? Une vache ? Je sais pas ce que c'est. C'est la fille qui connaît rien à la viande, en fait. Ah, gros safran. Je connaissais pas du tout ça, l'ail au safran. Aïe à la rissa. Franchement, c'est nouveau, je connaissais pas. Ah, j'avais pas vu toutes ces. Bon. Je sais pas Zama, si tout ça c'est vrai, si c'est naturel ou la liquido. Mais au final ça, là ça revient à 40 euros le 40 euros de litre. On va dire c'est à peu près le même prix que j'ai acheté en fait en France chez Amlou Shop. J'ai payé 40 euros le litre. Amlou, dédicace à Amlou Shop. 29 dirhams et combien ? 100 grammes. Ça je le mange en une bouchée. Sinon après il y a le Amlou Buildé. Oh, comment c'est cher. Donc les filles, hein, franchement pas besoin d'aller au Maroc pour acheter. Franchement allez y a, sur Amlou Shop, moi je le prends chez Amlou Shop sur elle a un compte Instagram et je paye ça. Je sais plus c'est combien le prix mais c'est pas très cher du tout. Bon, mon téléphone a fini par s'éteindre, j'étais dégoûtée, je voulais encore vous montrer plein de choses. Et j'ai pas eu l'occasion aussi de retourner à Marjan depuis. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté, donc Raibi, la base. J'ai pas trouvé finalement Raibi Jamila, donc j'ai pris le Raibi classique, mais il est super bon. On a pris du cachet, on a pris des olives, flan, ça c'est pas moi, ça c'est ma mère qui a pris le flan. Moi j'aime pas du tout le flan, elle l'a pris pour la famille. Après, qu'est-ce que je leur ai pris? Je sais même plus, on a pris de la vache qui rit, encore des olives. De toute façon, les olives, et il y a du choix, vous verrez, je vous ai filmé aussi la Médina. Donc vous, si vous avez vu que j'ai pas eu de vidéo là dernièrement, c'est pas que j'ai pas eu de vidéo, c'est que ma connexion internet au Maroc est juste catastrophique. Donc c'est pour ça que la dernière fois j'ai pas pu vous publier mercredi, mais j'ai publié samedi. Donc là je vais essayer de me rattraper quand je reviens. Donc vu que je rentre lundi, je vais essayer de me rattraper et je vous ferai plusieurs vidéos dans la semaine pour vous rattraper toute ma semaine au Maroc. Sinon, alhamdoulilah, tout s'est bien passé au Maroc. Bon, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'était quand même un petit peu dur parce que c'était pas prévu du tout. Et on est venu au Maroc dans des circonstances qui étaient un petit peu difficiles. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, on a bien profité du Maroc. Les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.